De nous, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ils ont pris droit, là ils m'attachent une autre aînée. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour les Chinois. Sinon, vous voulez pas sinon vous voulez dire. Vous voulez pas dire que vous voulez 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 dire que vous Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro, l'actualité. Agriculture, le gouvernement rend disponible de fonds pour la relance du projet agricole Bukangalonzo. Albert Yuma interpelle le PG près la Cour de cassation. Félix Tshisekedi lance les travaux centrales solaires. La référence plus, le tourbillon IGF. Gilles Alinguete dénonce, le FCC panique, 1300 exonérations font perdre 5 milliards de dollars au trésor public. Messieurs et dames, encore une fois de plus, bienvenue. Je dois vous le dire, nous continuons notre collecte de fonds. Pour la Batonio, si on a besoin, n'hésitez pas de nous aider. Notre GoFundMe est là. Vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe, un peu partout. Si vous pouvez déjà glisser un peu de moyens, ça va toujours nous aider. 200, 300, 1000, 20, 10, c'est toujours important pour nous, afin de nous offrir une télévision et puis une radio. Ça va être un grand plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Nabato, pour utiliser MoneyGram, Western Union, tout ça. Merci Nabino Nyonso. Mais aussi Nabato, pour utiliser ma compte Nabiso. Oeda, na Seoana, ça veut dire mobile money. Hein, donc Orange Money, Airtel Money et puis M-Pesa. Ba numéro Eda respectivement. Wana. Bandeko, tongo to bandaki ko lobali kambu ya Bukangalonzo. C'est vrai que Batumsu Bakante que dosa ba blague, il y a d'autres qui ont cru en ce qu'on est en train de dire. En réalité, ce qui nous pousse à dire ces choses, c'est pour le bien du pays. Mesdames et messieurs, rassurez-vous d'une seule chose. Ce pays ne va pas se développer sans qu'on ait restauré intégralement l'État. Il faut bisoto décider qu'on bannir, alors complètement qu'on bannir ma mauvaise pratique yakala. Bozoyo kabaka bozoyo kana présidence sur ma dépassement budgétaire. Bozoyo kabaka bozoyo kana na présidence. Ça veut dire seulement que il y a un malaise. Le malaise est tel que mbongo o ezo concert o faut o ebima de façon réfléchie. Ezo bima de façon réfléchie. Mais nani aza responsable ma kambouana? Qui gère au quotidien les dépenses, il y a présidence. Il faudrait à un moment donné que, au niveau de la présidence, bangomoko ba soto auditaka. Pour savoir exactement l'argent qui sort, où ils vont pouvoir financer, ça finance quels travaux et pour quels résultats. Parce que si on continue à soutenir, si on continue à dépenser de l'argent pour la présidence, pour la primature, pour le fonctionnement de l'institution, et qu'en réalité les institutions ne produisent pas suffisamment de l'argent, ça va devenir compliqué. Les gens peuvent dire, mais est-ce que les institutions produisent de l'argent? Mais effectivement, les institutions produisent les mécanismes à cause de ça mbongo nzela. Bato va produire un mécanisme au que baïba mbongo té, ce sont les institutions. Le pouvoir judiciaire doit faire exactement son travail pour arrêter tous les malfrats.
pouvoir législatif face à la effectivement vous savez d'abord pour contrôler pouvoir judiciaire pour contrôler pouvoir exécutif n'a pas contrôler le mandataire public mon salaire n'a bango yango n'a pas contrôler l'entreprise y a l'État et là évoluer qu'on évolue dans modèle nini en réalité là où 100 fois à l'État il pète sa mie là où l'État débloqué à 10 francs les députés devraient ouvrir l'œil et le bon pour ne pas tomber dans la distraction pour ne pas tomber dans la gabegie pour ne pas tomber dans ma dépense inutile tout ça la mini dans mon cannabis. Moi je pense à mon humble avis, il faut une mesure importante pour le côté là, effectivement comment l'argent a été dépensé, comment l'argent a été utilisé. Ce que tout ça un mécanisme été que ça la mala au mingité. Aujourd'hui les gens pensent d'habiter par quel mécanisme? Quand vous dites qu'il y a des passements à la présidence, bah, on va dire qu'on s'en prend à la personne du président, ou bah, on va dire qu'on s'en prend au directeur de cabinet, ou à des individus. Au contraire, c'est un système qui a été mis en place. Aujourd'hui, au moins, on est au courant. Il y a des passements et tout. Aujourd'hui, au moins, on est au courant. Parce que les institutions qui sont censées rendre public, bah, des passements, là, bah, ça va avoir toute liberté. Mais on a vécu des moments où personne ne savait quoi que ce soit. Ni sur les salaires, ni sur le nombre comment on appelle ça, les conseillers. Il y a un moment donné où on a vécu dans une situation où personne ne savait rien de ce qui se passait à la présidence. La présidence, c'était comme un trou noir où personne ne pouvait aller regarder. Ce qu'on t'a dit, Anne Rebengi. Ce qu'on me dit, Kota, Anne Rebengi. Aujourd'hui, les gens sont au moins à l'aise de dire, bon, la présidence, bah, des personnes qui n'ont moins de juillet, boé, boé, boé. Bah, des personnes qui n'ont moins de mai, boé, boé, boé. Mais si on revient en 2016, est-ce qu'on peut nous établir des rapports? Il y a consommation, il y a pas seulement il y a mois, mais toi, quand il y a année. Il y a moi, ça va très tôt demander. Mais il y a année, 2016, 2015, 2014, 2013, l'argent a été dépensé dans le modèle ligne. Aujourd'hui, il faut quand même saluer cette liberté que certaines institutions ont à déclarer de CEO, détournement, pardon, dépassement. Il y a un bon modèle. Là. Et le dire, c'est ça être objectif. Pas pointer les noms, hein, des noms de individus. Là, c'est faire des courtes réflexions. Il y en a des gens qui sont forts dans un goût. Il faut réfléchir au-delà de tout ça. Il faut réfléchir. Voilà pourquoi moi je dis qu'il est important que la RTNC ait vers la remodeler. Bon, on dit que ceux qui RTNC, il y a bien. Il y a bien. RTNC a commis effectivement qu'on peut sa information. Il y a pour former bateau, il y a pour informer bateau, il y a pour cultiver bateau. Les débats ont aussi là. Les gens sauront maintenant quelle est la responsabilité d'un président de la République. Directeur de cabinet à Salakanini, ma ministre rôle d'abord de la Kanini, étendu à pouvoir d'abord et de la Kanini. C'est ce qu'on devrait avoir le minimum au peuple de Falazanango. Aujourd'hui, on est dans une confusion totale. Aujourd'hui, quand Moutazoloba, ma Kambazo reproche un ministre, ma Kambo, ministre Zanango, la responsabilité. Il reproche un ministre de choses qu'au ministre Zanango, la responsabilité. On demande aux députés de faire au-delà de ce qu'ils doivent faire. Voilà pourquoi au Congo, personne n'est à sa place. Tout le monde essaie de faire le boulot de quelqu'un d'autre. Or, en faisant le boulot de quelqu'un d'autre, personne ne va faire son propre boulot. Et personne ne va répondre à la banine. Au moins, la police place à un militaire, militaire place à la police, la mère place à justice, justice place à la mère, ministère la terre, la côté d'empiètement, finalement, on ne sait pas qui fait quoi. Là où les ministres doivent faire des choses, on demande au président de faire. Là où le président doit agir, c'est le ministre de le faire. Bonjour, mon ministre, quand ça a levé les rideaux, il y a, disons, quand t'as bandé rideau, c'est compliqué à la fin. Tout ça parce que personne ne sait ce qu'il doit réellement faire. Et quand personne ne sait ce qu'il doit réellement faire, même ceux qui font le débat sont appauvris. Eux aussi portent leur débat dans la Louengue. Il suffit seulement d'avoir une petite désinformation. Tout le monde a qui est dans Katikuna. Quand on parle démilitarisation, les gens entendent désarmement. Quand on dit désarmement, les gens entendent démilitarisation. C'est compliqué. Et ça, c'était le rôle des médias. Les médias, l'éducation, la citoyenneté, l'éducation, Mboka, ministère d'enseignement. Il fallait qu'il m'a enseigné Bato pour que Bato m'aille exactement Moussala et Moutou Ezanini. Moussala et Mokomoko Ezanini. Sinon, on va faire Mboka Mopère en principe et Kemala Mouté. Je voudrais interpeller Nabatunelo Komoko. Quand on était en train de dire aux gens Makamba Bukangalonzo, on n'était pas en train de charger un homme. Moi, j'ai vu des gens me dire, non, Christian, tu t'attaques à quelqu'un au fond de l'Ibukangalonde. En réalité, c'est parce que le peuple congolais, quand on dit une chose, balingi batomingi. Le Congolais, il est impossible ou difficile pour un Congolais de réfléchir sans les individus. Donc, enlever les individus, certains Congolais seront muets, ils ne parleront plus jamais.
Parce que eux ne font que le débat sur les individus. Mais le débat sur les individus ne traîne pas, ne dure pas, ça reste bloqué, vous n'évoluez pas. Le débat devrait être posé sur les principes. Lolenge o bukangalonzo et salemaki tolobaki déjà que dala qui une farce au début. Et là parce que Ramboka na biso oyo, les gens ne veulent pas prendre au sérieux ce que les gens disent. Nous étions les premiers, sinon parmi bato alwagi que Bukangalonzo est une farce. Bukangalonzo est une aventure, Bukangalonzo est une grande escroquerie. Arrêtez ça avant que la débâcle ait. On ne nous a pas écouté. Comme c'était un régime de gens qui n'écoutaient pas, des réfractaires. Et là, ils ne voulaient pas le son contraire. On a dit aux gens, Bukangalonzo basala kabongote, vous ne pouvez pas prétendre avoir un plan sans l'avoir planifié au préalable. Bukangalonzo était un schéma politique, ça n'a pas été un schéma vraiment social. Parce que vous demandez aux gens qui ont conçu Bukangalonzo, ils l'ont conçu avec qui? Banani Bavanda pour avoir préparé le projet. Le projet a été préparé par quel type d'intelligence? Les grands agriculteurs dans Bukanabiso, Bazalana Makambouana Mingite. Je dois vous garantir, mesdames et messieurs, ce projet de Bukangalonzo a été pris, Nicolas, à fausse hypothèse. Ce projet a été pris dans ma fausse hypothèse. Ça, c'est des mauvaises idées reçues sur notre agriculture. Déjà que ceux qui ont fait Bukangalonzo n'ont même pas compris la notion même de l'agriculture des bases. Partout à travers l'humanité, on parle de deux types d'agriculture. On est allé domicile, là où est allé industriel. On est allé domicile, de la bien pour le matoubali, c'est bon. Mais ça ne peut pas, et on dit qu'on sauve Mbokate, ça ne sauve pas un pays. Il faut une agriculture industrielle, là où est allé. Mais vous n'avez pas encore l'électricité. Vous n'avez pas le courant. Vous n'avez aucun plan pour électrifier dans la zone de Bolingi, vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'infrastructure à Malonga. Mais vous voulez commencer tout de suite par, après. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Un projet qui n'a pas été préparé et regretté, il est bâclé à la fin. Quand on a dit ça aux gens, oh non, non, Badoko Sabiso, aujourd'hui, même Bango Moko Batu FCC, ils se rendent compte qu'ils étaient en face des véritables arnaqueurs. Boyo Kibino Moko, le premier ministre actuel, il est allé voir Bukangalonzo. Grande était sa désolation. Son plus gros malheur était de vérifier Bilokwana. Amoni ba et ba mituka. Comment il y a qui dépiécé, ba tracteur, ba longoli, ba moteur. Mais attendez, c'est parce qu'on était dans un monde d'impunité. C'est parce qu'on était dans une nation, il y a impunité, mais consacrée. Batutu bayebi. Si vous service, il y a ANR, il y a ça à l'époque. Comment on peut enlever moteur, na tracteur, balongoli moteur, balongoli angola boutou, baken angola tchena bateau pétamoli, et puis l'ANR est là. Donc l'ANR n'était là que pour qu'on a bateau, le dégage, bakangi bango. Bateau, le marché, bakangi bango. Donc l'ANR n'était là que pour ça. La mer n'était pas là pour vérifier qui vole la République, qui pille la République, qui détruit la République. Au moment où on dit aux gens que ceux qui ont été avec l'ancien président de la République ne l'ont jamais aimé, ceux qui aimaient en réalité l'ancien président, et d'ailleurs qui bateau m'a dit qu'on rappelle la carrière dans Zéla, non, je ne dis pas ceux qui l'insultaient pour être des députés après, non. L'autre bateau m'a dit qu'on conseillait. Et je peux le dire sans doute, nous on a fait partie des bateaux, non seulement que tout ça qui n'a TV pendant très longtemps, mais on était en train de apporter des propositions. Pas comme ceux-là qui faisaient des discours creux en l'insultant pour après devenir député. Mais nous on le faisait en disant au chef, en ancien président de la République, on est qui est dans Malamouté. Je me rappelle encore que j'ai eu un risque important quand j'avais demandé à l'ancien président de la République de limoger son premier ministre. Dans le Bukangalonzo de Bimaki, le projet tel qu'il a été annoncé, j'avais demandé dans l'émission Kiosque, Serge Kabongo encore témoin, j'avais demandé à l'ancien président de limoger son premier ministre pour tentative Yamabe Yamodelo. Parce qu'en réalité, Bukangalonzo est exactement le coup la Ninja 100 jours. Et là, exactement, ça n'a, et là, comment il changeait, t'es. Bukangalonzo, on a projet à 100 jours, et là, projet mi balé Ndenge Moko. Des véritables escroqueries, des véritables farces. Des projets non planifiés, mal expliqués, mal conçus. Et là, qu'il y a des basés sur des mauvaises hypothèses, des mauvaises questions, ainsi de suite. Comment vous pensez régler le problème? Il y a faim, il y a Congolais, oh, bon, il y a un nombre.
Ça veut dire que vous n'avez pas l'idée du nombre de Congolais sur Batavana à Kinshasa, mais vous voulez quand même commencer par Kutolona, Totolona, Togolien Sabat. Vous allez nourrir combien de personnes? Parce que la base de tout, c'est au moins connaître le nombre de Bozali. Vous n'avez pas l'idée des nombres de nombres Bozanango. Vous n'avez pas l'idée des nombres de marchés au niveau. Vous n'avez pas calculé ma capacité normalement. Vous n'avez pas demandé na ba Congolais bayako participer na biloko wana. Vous faites tout de suite, vous donnez marché na ba Afrique du Sud. Le rapport est là. Ce rapport est là. Ce rapport, il est outillé. Le procureur général peut s'en charger. Ah, mais quand on a un document, il y a une révélation dans la Katiwana. Tout était clair que le dossier était vide. Tout était clair que le dossier était d'abord alimentaire, avant d'être un dossier scientifique, avant d'être un dossier et un programme, Yamalunga. Nous avons dit aux gens que, attention, vous ne pouvez pas dire que mabé. Parce que le projet, il y a un qui peut être la 26. Mais il y a un mot comme si vous avez dit que réaction n'est pas mise. Si vous avez dit même que un petit porteur, il y a un qui est à Osaka. Jessica, du moins en bon état, moteur exacté. Vous pensez vraiment que quelqu'un au Congo peut prendre le moteur d'un avion et partir avec 5 moutons? Bah, du coup, bah, tiens, moi, bah, porteur, ma bango, la petite porteur, ma bango, moko, où ils ont revendu ça? Et même là, bango, bah, hors, dans l'est du pays, et même là, bango, bah, kango, belé. Mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont enrichis, n'est-ce pas, quoi? Bah, que belé, bah, t'es cabino, au bout du temps, tout seul, bah, que, il faut qu'on restaure état. Et là, ma camarade modèle, Loana. Lorsqu'on veut faire un projet agraire, maintenant que ce gouvernement, à l'Ingassa, à les relancer, bah, fond pour la relance du projet agricole de Bougangalondo. Monsieur le Premier ministre, moi, je vous demande humblement, avec tout le respect possible, ne faites pas ça. Ah, tout le monde va tout la même chose. Ne faites pas ça. Vous risquez d'avoir encore de sérieux problèmes demain. Ne faites pas ça, parce que l'état vers lequel on y va, et là, l'état où on va arrêter, bah, toi, t'as pour la négligence, na bango. Moi, je propose ceci. Nous avons critiqué quand on a proposé. Bon, asseoir, na, nous, histoire à Bukangalonzo. Bon, fongo, là, deux paliers. Le premier palier, ils allaient palier à justice. Laissez la justice travailler. Bon, team d'abord inspecteur judiciaire. Bah, quand on a domaine où on a, bah, t'as la nani à zoa nini. Ils donnent-leur le temps et les moyens. Laissez aux inspecteurs judiciaires. Bah, t'as là, nani à zoa nini. Bah, mais qu'à un peu côté là, bah, bilo que qu'on a la place nini, zoa direction nini. Bah, fond, il y a là qui n'a côté nini. Botique et la bango yango. Qu'ils arrêtent tout cela qui était impliqué. Na dossier Bukangalonzo, de la tête aux pieds. Oh, il y a un centime, 10 dollars, 20 dollars, moteur, épave, et tout ça. Bato va participer à qui n'a projet élaboration, là. Bah, mais quand même, qu'on entendre bango. Nous voulons des séries comme ça. Bah, yo, kaka bango, va entendre bango. De façon qu'on arrête ceux-là qui ont pris l'argent, Makama Bukangalonzo. Vous n'avez, ça ne sert à rien d'augmenter, de multiplier de conférences. Ça ne sert à rien d'aller voir les journalistes pour passer un bon pour qu'ils vont défendre le projet Nabino. Ça ne sert à rien de venir aujourd'hui citer les noms d'autres personnes. Nous savons tous, Bato Badalaki, bah, auteur, moraux, non matériel, il y a Makambo et Bukangalonzo. Nous voulons que Bango va répondre devant la justice, bah, ça à quel niveau Badalaki est impliqué et pourquoi il marchaté, bah, mis tout quand même, et le moins, na concession d'Engenini, bah, ma pango et son moment d'Engenini. Nous voulons avoir ça d'abord comme information. Et deuxième palier, et là, le palier, il y a restauration. Monsieur le Premier ministre, il y a un principe. On ne peut pas évoluer sans évaluer. Vous ne pouvez pas dire Togito relancer Bukangalonzo sans avoir étudié les échecs y a Bukangalonzo et les Kiora. Le malheur, c'est d'avoir politisé l'affaire de Bukangalonzo. Celui qui politisé qui a monté, on n'allait pas être là aujourd'hui. On n'allait pas être là aujourd'hui. Cette question est allée. Avant de à Bukangalonzo, faites un appel. Dans le Baka, il y a une autre fois, malheureusement, jusqu'à la commune en outé. Il y a lieu de faire un forum national sur l'agriculture. Appelez d'abord un forum national sur l'agriculture. Voilà beaucoup benga ba agriculteur, beaucoup benga ba agronome, beaucoup benga bateau ba tangi agriculture, bateau ba tangi ma belé, bateau ba tangi ma plante, bateau ba tangi. Quand vous allez finir d'appeler toutes ces personnes là, beaucoup benga bateau siko ba sala ka musala wana de vie de tous les jours. Les agriculteurs domestiques, les agriculteurs ou barreaux dans l'industriel. Si vous avez fini de réfléchir comme ça, appelez l'expertise extérieure. Nous avons des Congolais qui évoluent bien dans les secteurs agricoles ou dans les secteurs agraires dans le pays Moussoussou.
N'hésitez pas de les appeler. Les Congolais brillants, ils sont nombreux. Des Congolais qui connaissent Moussala Yamakambou, Yaba agriculture. Il y a des Congolais qui ont écrit même sur l'agriculture. Il y a des Congolais qui ont fait des inventions. Il y a mon aîné, Namakambota l'agriculture. Faisons un forum national. Or, il n'y a pas de honte d'apprendre. Ça ne va pas vous diminuer. Au contraire, vous allez rester dans les annales de la République. Mais ceux qui me font à la fond, vous pensez que et vous allez avoir un scandale pour rien. Il est temps aujourd'hui d'avoir une idée sur les Congolais. Beaucoup de Congolais basent leur agriculture. En commençant par le Kivu, passant par le Katanga, par le Kananga, par partout à travers le pays, province orientale, Kasai, Batouana Nyoso, Bakongo, Bandundu, Équateur, Batouana tout, Bazana, Bagrenier, Nabango. Vous avez des agriculteurs, Bazakuna, Bazana Bato, Bazana éleveurs, Bazali. Appelez Batouana, Bovanda, Nabango. L'Angola, bah, politicien, bah, débat scientifique. On a compris que 60 ans plus tard, les politiciens sont les enfants les moins nourris scientifiquement. Les politiciens congolais sont, en tout cas, excusez-moi de vous le dire, mais quand il s'agit de faire la politique scientifique, c'est des nains scientifiques. Ils n'ont aucune expérience, ils sont tout simplement hantés dans l'idée d'avoir une politique, au lieu d'être hantés dans l'idée patriotique, dans l'idée à société. Ils ne sont pas là dans ça. Nous ne pouvons pas développer ce pays dans l'impunité à modèle. Tant que vous n'allez pas punir Bato Badala qui est responsable à Bukangalonzo pour négligence, pour détournement, pour laxisme, ceux qui vont punir Bangote, non, ne vous en faites pas, rien ne va se passer. Ne faites pas ce que vous voulez faire maintenant. N'ouvrez pas des comptes pour occuper sa bateau. Ceux qui vont s'aller nettoyer Jamala Mouté, vous risquez d'enrichir les étrangers, parce qu'ils vont avoir les marchés chez nous, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accroître le PIB Panabango. Entre-temps, ceux qui payent Panabango, ils vont accroître Panabango. Ils sont payés PNB, ils sont en choc. Parce que nous avons la capacité, comme national, nous avons la capacité à créer richesse dans Bokate. On aurait pu travailler convenablement sur la question. Comment vous expliquer que Mboka, le roi de la Congo, tu as un Masangu? Tu as un Masangu? Tu as un Maïsté? Même le blé. Comment on peut importer le blé? Quel est ce blé là qui ne peut pas être accommodé? Par rapport au climat, quel climat on nous parle? Bon, je crois que l'heure est arrivée de laisser les gens faire le boulot. Va faire ça d'abord convenablement. Ici, il est question de restaurer Makambouana. Bateau, basalili que Mabukangalondo, ils ne peuvent pas se tirer facilement. N'est-ce pas le bon, c'est ça, ils vont monter ma passe. Non, la douleur que nous avons est beaucoup plus forte, beaucoup plus grande que la douleur que nous devons ressentir les lots. Parce que vous ne pouvez pas voler à un peuple pendant très longtemps. C'est pas possible. Nathan Labino, un paragraphe. J'ai encore le temps, je crois. Alors que le gouvernement avait célébré en maintes reprises le succès de Bukangalonzo au cours de 3 premières années, en mai 2018, le ministre de l'économie, Joseph Kapika, reconnaissait finalement que Bukangalonzo avait complètement échoué. Nous sommes en 2018, avait complètement échoué. Et on imputait la faute à la société sud-africaine. En juin 2018, Africom Commodity lançait une action en justice contre le pays pour non-paiement de ses dépenses. La société a déposé un recours devant la Cour internationale d'arbitrage de Paris et demande la somme de 19 millions de dollars. En dehors de cette annonce, étonnamment, pour un grand groupe international comme celui-ci, la société semble avoir fermé son site web et cessé toute communication publique mi-2017. Est-ce que vous imaginez que nous sommes en train de vivre dans un pays où l'on prend tous en contrat d'un investisseur au baillé banité? Ça, c'était le malheur du pays. Les investisseurs dont on ne connaît jamais. Mesdames et messieurs, ce pays a signé un contrat avec des gens dans le temps, comme dans le plus tard, dans le chinois, mon koboué. Un Congolais ici est pris de bon sens, haut placé. Il va appeler ses amis chinois. Pour tout le monde, entreprise chinoise, on a vu marcher à. Et là, il y a mon baba, il y a ma porc. On appelle là-bas, on dit non,
Vous blaguez. Cette société n'a jamais existé ici. Asala kama kambola te. À la société, à commissionnaire. Yende après ça va marcher. Elle-même, la société ne produit pas Mrambouana. A Kenaralouki, marché, à marché, à Pessibino. Mais dans le contrat ici, la société se présente comme celle qui doit exécuter les travaux. Bon, Bissangaï Bandeko. C'est quel pays? Bon, donc, à débâcle, il y a un investisseur allemand. Je suis en train de fouiner là-dedans. Je voudrais avoir des informations là-dedans. Comme ça, je viendrai vous dire exactement comment ça s'est passé, cette histoire des Allemands. Mais je voudrais, avant d'aller là-bas, pour dire aux Congolais une chose, que ce pays a été mal dédié, a été mal, alors, très mal organisé, au point que, très souvent, ce qu'on dit, tout ça, il y a fermé la Corée et tout, on n'a jamais, pour la plupart des cas, on ne fait pas des contrats avec des pays. Nous, c'est avec des individus peu fiables, peu fiables. Dans ce pays, on a même eu à faire des affaires avec des gens qui ont été arrêtés, condamnés. Est-ce que vous pouvez imaginer? Dans ce pays, le pays a déjà fait des affaires avec des citoyens arrêtés de leur pays, évadés et condamnés. Mais d'ailleurs, ça, c'est un bon cannabis. Et ton mec dit, mesdames et messieurs, normalement toujours, si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous ne saurez pas négocier. De toutes les façons, vous ne saurez pas vous vendre parce que vous ne connaissez pas le poids. Le malheur du Congo, c'est d'avoir des dirigeants qui ne connaissent pas la vraie valeur de ce pays. Voilà pourquoi ils vont brader ce pays, parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce que Bato va maintenant est pris dans le bon sens. Donc, il faut détruire Mboka dans le modèle lobino au monde des structures. Bonjour, on a vidéo à l'hôpital, on a les canakins, on a vidéo à l'hôpital, on a Bandundu. Mais ce Bandundu-là, connu de. Non, mais il ne faut pas aller même dans ce terrain-là. Sur ce terrain-là, ça ne sert à rien. Na Bandundu, dans le Bandundu. Mais ce qui se passe dans le Bandundu, mais c'est pratiquement l'image de beaucoup d'hôpitaux. Est-ce que vous imaginez des hommes comme ça? Et ils se disent, ils sont excellences. Bah, tu es mon donné, bah, kamamboka, nabiso. Bah, lundi, bah, kamamboka. Par le contenu, kamamboka. Bah, tu es mon donné, et pas qui, amboka, bah, lundi, bah, et pas qui, comme on dit, et pas qui. Bah, tu, bah, et pas qui, bah, et bien. Ça dit, bah, le coup, c'est pas possible. Je pense qu'il est temps maintenant de faire arrêter ces gens-là. Ceux qui ont volé la République. Il y a tellement de documents. Par exemple, la pollution de l'environnement et l'utilisation incontrôlée de produits chimiques nocifs par le projet constituent un autre problème important soulevé par la population locale. Ça veut dire, quand vous arrivez sur terrain, il faut planifier. Voilà pourquoi on dit que quand le projet est bien fait, on n'a pas besoin de le détruire. Parce que il réfléchit sur le plan environnemental, sur l'impact environnemental. Tant que tout ça, le projet est mis en bongo. Est-ce que nous avons produit assez d'électricité? Est-ce que nous avons produit assez de machines, et ainsi de suite? Ok, après avoir fait ça, quels sont les produits que nous utilisons? Comment nous allons compenser Nayango Naba autochtone? Vous dites aux Congolais, par exemple, oui, mais en contrepartie, qu'est-ce que vous leur donnez? Rien. Non, ils vont faire ça. Oui, mais en contrepartie, vous dites quoi? Parce que Batouana, autochtones, dans leur tête, et pas seulement dans leur tête. C'est logique. C'est un cadeau de Dieu. Dieu leur a donné ça. Comme quelqu'un dit ici, ils nous ont dit que la terre appartenait à l'État. Oui, la terre appartient à l'État pour le bien de la population. La terre n'appartient pas à l'État pour le bien des dirigeants. La terre appartient à l'État pour le bien-être de la population. La terre n'appartient pas à l'État pour le bien-être de deux ou trois familles ou quatre familles. Non! Si la terre appartient à l'État, ce n'est pas pour les partis politiques. Si la terre appartient à l'État, c'est pour que Bato va vivre Nicolas Mabeléona, va se trouver honoré, satisfait. Va être le premier bénéficiaire de la Bango. On ne peut pas comprendre que mon petit contrat dans le tout mon corps, ben comme ça la diamant, mais les villages environnants, voilà, ben la couronne, ben la maïté, leurs enfants privés de la scolarité, alors que cette entreprise va devoir engager les gens,
Ça aurait pu, ça aurait d'abord commencé par engager les autochtones. Nous avons un génie, M. Ngoï Mouchila. Il a étudié où? Dans la frère Anan. Mais dans la frère, je camine. Dans la frère, il y a entreprise, il y a entreprise minière. Voilà. Bah, c'est là que ce qui va y avoir, voilà. Bah, vu, bah, autochtone, bah, former, bango, bah, tant ici, bango, bah, engager, bango, bah, employer, bango. Bah, Ndeko. Les gens sont méchants, kak. Dans ce pays, je peux vous le garantir, pour terminer, et dans le bateau, bah, tigas, pour faire la demande d'emploi, t'es. Ils n'ont jamais fait une demande d'emploi, t'es. Parce qu'à l'époque, dans ceux qui vont, bah, s'ils s'y classent, les entreprises venaient vers bango. Ce sont les entreprises qui venaient leur demander, Misala. Aujourd'hui, les dirigeants qui sont là, ils sont incapables, mais alors, mais vraiment incapables de reproduire le système au Bangladesh. Incapables de reproduire le système dont ils étaient bénéficiaires. Tout là, papa Nabino, Bandeko Nabino, Bakoum Sabino, Malobim, Babouana, Tanga, la Kolaka, la Komaka demande d'emploi. Dans aussi sa défense, n'a pas le régime des œufs. Dans cette défense, me pense Snelle. Dans cette défense, me pense douanier. C'est les entreprises qui venaient chercher les têtes dans l'université. Aujourd'hui, le monde a changé. Pourquoi? Parce que les incompétents et les incapables ont pris le dessus. Et ce sont eux qui nous ont dirigés. Mais nous savons tous que cette histoire est en train de finir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungu. I do work for Unisho by AFH. Anda Cedric aussi. Tous ako faire appel na bino nyon surtout bozako la nanga sikoyo. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement. Que tous ako pe sa ba service protection et assurance. Tous ako pe sa assurance vie, life insurance. Eza ke soki mouto azan la bomoite, ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo, eza po na ko couvrir l'enterrement, pe na souko tika héritage na bana yo et en même temps soza ki na ndako ozwa kana crédit et ko ipeko futa ndako na yo toza so suna auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osala ka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant ko zana ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous protéger dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, critical illness, assurance maladie. Tango dit, vous avez dit, problème à santé, vous avez sérieusement, l'assurance te paye. Vous avez dit, témoignage avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, critique. Avez juste vous avez dit, vous témoigner par rapport à ma dit, vous assurance dit, vous avez Achille vous avez Tango vous avez dit, maman santé dérangée. Maman bazana dit, vous avez dit, vous réalité dit, que avez dit, parole na bango pe ba pesa misolo e singela ki par rapport na oyo biso to zwa keza aventure te eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, cause la tête na souka. Naza a pour nous aider yom tozo landanga osa na kati Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la indépendance. Loye Mali, loye Bolonde de la Lissandra.